prévue sur Télé Éternel, ce lundi 6 août, de l'an de grâce de 2018, du réveil de l'esprit à la Men in Black. Et ben c'est pour le 13h, la température extérieure de 32 degrés. Comme ça. Je suis repassé en mode lubrifiant W86, je reviens des vrais songes. Donc le lundi, c'est en là 432. Lundi, c'est tout le monde qui s'accorde. Les 7 notes de l'octave, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tout est multiple de 7. Même l'humain, même les oiseaux, tout. Pour 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours. Donc, je crois que même semaine, 40 semaines de 7, pour faire un humain. Finalement, il faut 56 semaines de 7. Tu vois. Mais vous ne comprenez pas la subconscience de la chose. Tu vois. L'ordinateur, il y a l'écran, le clavier, la souris, tout ça. Et puis il y a la tour, où il y a l'unité centrale. Donc l'ordi, si tu veux, est à l'image de l'homme, parce que là, l'homme est à l'image de Dieu, c'est comme les bagnoles. Alors si tu veux, l'ordi, lui, il fait des mises à jour. Nous, c'est quand on dort. Mais c'est pas connecté. Tu vois, on a tous une unité centrale, une aérobase, on va dire. Mais c'est pas branché chez vous. Vous n'en rendez pas compte forcément, à la Coluche, vu que c'est avec ça qu'il juge, il a toujours l'impression d'en avoir assez. Comme Tata, il doit avoir 3 au QI maintenant. Encore. À cause de putain de cacheton de merde là, le serpent qui se mord la queue, pharmacie de Médeux. Mais jamais que les laboratoires Bayer, ils étaient à 100 mètres d'Odjuice. Putain, qu'est-ce qu'ils ont dû ramasser. Avec le docteur Pou là, qui se clapait un bras vivant, là, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait rien. Ah bah effectivement, ils ont mal. Pourquoi l'homme est une ordure? Il y a deux mondes, il y a deux choix. Maintenant, c'est ou collabo ou résistant, tu ne peux pas faire autrement. Donc dans le semainier de l'esprit, le lundi, on s'accorde. Peut-être rouge, blanc, vert, bleu, noir, n'importe quelle religion, n'importe où. On mange tous le carbu, on chie tous dans l'échappement. Souvent, il y en a qui n'ont toujours pas de papier, d'autres ils chient sur un chiotte en or massif. Ça va pas du tout, ça ne me plaît pas. Je suis régulateur de tension sur Terre. Je suis chef d'état d'âme. Je suis ministre de l'extérieur. Puis j'emmerde les cons. L'individualisme, c'est ça le gros problème. Que tous partie de l'esprit du devenir de l'ensemble. Tu n'es au point A, tu meurs au point B, ça c'est la vie de ta viande, tu manges. Dans l'autre sens, c'est la vie de l'esprit, tu bois, tu fumes, tu te drogues, tout ce que tu veux, on s'en branle. Le tout c'est d'être juste et bon, d'être connecté à l'unité centrale. C'est pas compliqué, hein. Là, c'est encore mal zoomé, putain, ça fait chier. Bon, enfin bref, je reprends ce lundi 6. 6 août 2018, c'est le réveil du semainier de l'esprit, là. On s'accorde, tu vois, les bagnoles, il y a plusieurs marques, tu vois, plusieurs couleurs, il y a plusieurs motorisations, mais sur la route, il faut bien qu'ils roulent dans le même sens, mais l'être humain c'est pareil. Maintenant les trois monothéistes, là, on va rassembler tout ça, d'ailleurs nous sommes entre le 35 et le 37 boulevard de Richer. Je vous rappelle, 35 c'est la trilogie de quintessence et 37 c'est Tata l'Oracle. Et au milieu il y a Libre Service Riquier. Le gros problème, c'est que chacun pense qu'à sa gueule. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Dieu pour toi et chacun pour tous. Il y a plein de phrases qu'il faut remettre à l'envers. Nul n'est prophète en son pays, va te faire tâter là rien. Je serai prophète en mon pays et j'y arriverai sans thune. Le problème, c'est que je vais crever du cancer du larynx, peut-être bientôt, à force de fumer de mes mégots par terre parce que j'ai jamais thune, parce que je ne veux pas vendre mon âme.
France. Hein. Plus travailler pour un système de fils de pute d'État corrompu. Là. Genre le chômage, la sécu, ça coûte même pas une poignée de milliards par an. Hein. Et la politique, ça en coûte 400 ou 500 milliards. Pour les petits voyages, pour les petits repas. Non, il y en a marre. Je vous conchis. Je convie ben, ceux qui veulent pas être édentés, mais ceux qui veulent faire l'effort de comprendre que là ça va tout droit dans le mur, qu'on ne peut plus les laisser faire. C'est pour ça que la solution, la meilleure que j'ai trouvée, à la rentrée, il n'y a pas de rentrée. Tout le monde arrête de payer tous ces fictifs. Comment ils vont faire après ? On commence à faire tous caisse commune plutôt que fosse commune. C'est ça le parti de l'humanisme. C'est ça le parti du bon Dieu. Pourquoi il y en a 500 ans de retard, 1000 ans de retard, les autres sont en super avance avec leur technologie de merde. N'oubliez pas que chaque nouvelle application, c'est une qui disparaît dans le cerveau. Tu vois. Le truc, c'est que cette caméra, tu sais jamais le zoom, tu sais jamais rien. Ouais, Cédric. Ça va ? Ouais, bonne nouvelle. C'est bien. Voilà, voilà. En conclusion, docteur Paul, foie d'alcoolique. Il existe un lien très puissant entre le foie et la foi. D'ailleurs, je redonne Descartes. C'est la science de l'éther. Descartes, 1547, un truc comme ça. Une diffraction de Fresnel, l'interféromètre de Nicholson. Oh, il a écrit plein de trucs, hein. La science de l'éther, c'est exactement ça. Bon, il faut faire monter son esprit. En bas, c'est le pic et le trèfle, l'argent, le mensonge, le pouvoir, la corruption, la merde. En haut, c'est le cœur et le carreau, la justice, le droit, l'amour, tous les trucs bien. Et toi, ton point de repère orthonormé, dans ton abscisse et ton ordonnée, toi, tu essaies toujours de monter. Tu dois être juste et bon, tu dois être un agent de maintenance de planète, pas un saboteur. Il faut remettre les molécules à leur place, il faut pas arrêter de tout trafiquer. La durée de vie du césium, c'est machin comme ça, vous vous rendez pas compte. Anti-sorcier, si l'on comprend, on comprend rien. Vous vous rendez pas compte à quoi vous jouez. Je ne peux pas intervenir, c'est pas grave, je vais remonter. Donc, tous les jours, ça me fait chier de redescendre sur Terre. Quand je me réveille, ça m'emmerde. Je suis tellement bien au ciel. Bon, ma mission n'est pas finie. C'est pour ça que je suis déjà mort 14 fois et que je suis toujours là. 14, 4-1. 13e nombre premier. Sauf que la 13e constellation, c'est celle du serpent. C'est les sous-merdes, en fait. Les gens d'argent, les hommes d'affaires, les industriels poireux, tout comme ça, tout. Voilà, voilà, voilà. Que le règne vienne. Jésus, ça veut dire je suis. Comme je suis Christophe, je suis Christ de Nice. Off, on, ça dépend des jours. Moi, j'essaye de jamais mentir. Je convoite pas rien du tout. Et surtout, il y a trop de cons au mètre carré. La dégénérescence, c'est incroyable. La plupart des maladies, c'est vous qui les provoquez. C'est pour vendre des cachetons. Le sida, c'est l'armée qui l'a inventé, faut pas rêver. Hein. C'est juste ça sur les singes. Tout est mensonge. On déterre tous les secrets défense. Bon. Chaque état est une saloperie en fait. Les frontières de merde, on n'est pas des électrons libres. Il ne faut pas balader comme on veut. Il est passé le facteur ? Ouais, il vient de passer. Il n'y avait rien. Je sais pas. Il est là. Bon, la suite au prochain épisode. Quand même. Pache salut, Tim Chalamen, Iraim.
pas monothéiste, c'est pas eux qui foutent la merde. Il n'y a pas un dieu qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas. C'est trop con, hein, votre truc. Je vais expliquer à un musulman qu'il y a une caricature du prophète, va expliquer là. Vous êtes des sous-développés, il vous manque une couche à l'esprit, c'est pas possible autrement. C'est normal, on n'apprend rien à l'école. On programme à faire un truc. On t'apprend à compter le pognon, c'est tout ce qu'on t'apprend. On t'apprend pas l'amour de Dieu, la résonance de l'âme, les fréquences. Voilà, voilà, donc c'était lundi. Bon, au début, l'image avait être trouble. De rien, les caméras, elles sont toutes pourries. Voilà, voilà, voilà.